Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce petit récap sur les difficiles aventures. Aujourd'hui, vraiment, ça va être un petit récap. Mais même s'il est tout petit, je vous encourage à mettre un petit pouce et à faire un petit commentaire sous cette vidéo. Ça, c'est très encourageant et ça favorise aussi la visibilité du projet. Donc, merci à tous ceux qui pensent à le faire. Alors, je disais que c'était un petit récap parce que tout simplement, aujourd'hui, on a placé le schématique de la station de métro devant le stade. Et vous voyez qu'il va y avoir un sacré boulot. Du terraforming, de la construction, il va y avoir aussi des choses à changer, à modifier. Par exemple, vous voyez que les lampadaires, bah, ils sont décalés, et j'en avais supprimé parce que je trouvais qu'il y en avait beaucoup. Donc voilà, le schématique nous laisse entrevoir un petit peu l'étendue des travaux. Et quand on utilise un schématique, on a quelque chose de très pratique, c'est la liste des matériaux. Elle est où? Elle est là. Elle est ici, hop. Et donc, grâce à ça, eh bien, on peut savoir tout ce dont on va avoir besoin. Et avec Raph et Mimiche, on a commencé à faire notre petite liste de courses. Et donc, nous sommes allés piocher un petit peu partout dans le serveur les différents blocs. Et comme à l'accoutumée, j'aime bien faire une petite cache à écureuil sous les constructions. Quand on a la place comme ici à cause du terraforming, donc voilà, il y a beaucoup de matériaux différents, pas des énormes quantités, mais beaucoup de matériaux différents. Donc merci beaucoup à Mimi et à Raph qui m'ont aidé à commencer à rassembler. On n'a pas fini, et puis la prochaine fois, il faudra aussi qu'on aille farmer à la main, parce que là, ce sont surtout des matériaux qu'on est allé chercher dans d'autres caches, un petit peu partout sur le serveur. Mais il y a des petites choses qu'on n'a pas, notamment de la terre glaise, donc c'est l'argile, on n'a pas. Faut aussi qu'on aille chercher des blocs de skulk, des blocs de spéléothème, la dripstone, pardon. Enfin voilà, ce genre de petits blocs, donc il y a encore du boulot pour que cette zone devienne la gare. Voilà. Merci beaucoup à vous d'avoir regardé ce récap et on se donne rendez-vous très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.